Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour cher ami et cher camarade, moi c'est le frère Daniel. Je viens ce dimanche pour attirer ton attention, pour te dire qu'il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Arrête de juger ton prochain, arrête de condamner les gens. Est-ce que tu me comprends? C'est très important. Ici, tout le monde est couché ici. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois avocat, que tu sois député, que tu sois milliardaire ou pauvre, tout le monde est couché ici. Personne ne peut dire que éloigne-toi de moi parce que tu es pauvre, quitte auprès de moi parce que tu n'as pas l'argent, ou bien je suis ministre ou je suis député. Non, tout le monde est couché ici. Et il n'y a pas celui-là qui est, on va dire ici, non, parce que j'ai tel ministre ou tel député. Non, voilà. Donc mon frère, arrête de critiquer. Quel que soit ton argent, ce que tu es, arrête de juger ton prochain. Arrête de montrer que toi, tu es 10 000 fois, je vais dire, mieux que qui que ce soit. Non. Arrête ça. Sois humble. Apprends à faire le bien et à pardonner dans la vie. Si tu veux rester là en train de juger, condamner, garder les choses dans ton cœur, être rancunier, ce n'est pas bon. Faut pas mourir avec la colère, avec les rancœurs dans le, dans les rancunes dans le cœur. Ce n'est pas bon. Libère-toi. Apprends à pardonner dans la vie. Sois simple. Sois humble. Ne regarde pas l'argent pour manquer de respect à quelqu'un. Ne regarde pas parce que tu as un titre, tu as une nationalité quelconque d'un pays européen ou je ne sais pas où. Mais sois sage, sois humble. Parce que ce carrefour-là, personne ne peut éviter ce carrefour. Tout le monde est couché ici. Tout le monde est couché ici. Et dis-toi que tu ne vas jamais éviter ce carrefour. Donc apprends à respecter, fais du bien sur la terre. Sois sage, sois humble. Compte sur Dieu que de compter sur le matériel. Tous ceux qui sont morts, les milliardaires qui avaient l'argent, aujourd'hui ils sont couchés ici. Où se trouvent les voitures? Où se trouvent les maisons? Où se trouvent les biens? C'est pour cela qu'on vous dit de donner votre vie à Dieu. Comptez sur Dieu. Malheur à celui qui mettra sa confiance en un homme. Évitez d'être orgueilleux. L'orgueil là, ça ne paye pas. C'est ce que j'avais à vous dire. Que tu tapes ta poitrine aujourd'hui, sache qu'un jour, ici là, tu vas venir te coucher ici. Tu vas venir te coucher ici. Tu ne vas jamais éviter ce carrefour de la mort. Ici, ce sont des gens qui ont beaucoup parlé, qui ont tapé les poitrines. Aujourd'hui, ils sont couchés ici, abandonnés ici. Vaut mieux chercher Dieu que de chercher l'argent et puis perdre son âme. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu n'as aucun respect pour les gens. Aujourd'hui, tu es en Europe où je ne sais pas où tu te trouves, tu as des entreprises, je ne sais pas qui tu es. Mais sache que cette vidéo-là, si tu regardes cette vidéo, il faut que cette vidéo attire ton attention pour que tu comprennes que tu es poussière, tu es venu poussière, tu retourneras à la poussière parce que tu n'es rien. Partagez cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Le respect dans la vie, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le frère Daniel pour vous dire, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis, sache qu'un jour, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu n'étais pas abandonné entre les mains de Dieu. Écoute, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand même que tu meurs, Dieu te dit qu'il y a toujours de l'espoir. Il réserve une place pour toi qu'on appelle le paradis. Si le paradis existe, c'est que l'enfer existe. Si l'enfer existe, c'est que le paradis existe. Des gens disent que le paradis, c'est sur la terre. Ce n'est pas sur la terre. Détrompez-vous. Voilà. Je dis toujours dans mes propos, je préfère être esclave au paradis que d'être riche en enfer. Que Dieu vous bénisse. Restez humble et sage et apprenez à ne pas critiquer, à ne pas juger, à ne pas indexer. Soyez humble, soyez sage, partagez et respectez dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et ceux qui ont des oreilles pour comprendre vont changer de vie. Nous sommes en 2022. Donc, prends conscience et commence à pratiquer la justice et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.